Se se frie la diaspora, ça va bien? On m'appelle Marchang aussi, Marchang. Oh, Marchang chez moi, je suis en train de sortir mon fauve. Il est où? Il marche tout le temps derrière moi. Il a peur. Il baisse la tête comme ça. Il est trop fort. On dirait qu'il se cache derrière moi pour être en sécurité. Il va jamais passer devant. Il est trop fort. Ça, c'est mon fauve, ça. Il est trop mignon. Regarde-moi ça comment il est beau. On va tenir la caméra comme ça. Il suit. Ah, c'est trop utile, un chien. Ça garde la maison, ça garde les jardins, ça garde tout. C'est trop rigolo. En plus, celui-là est trop beau. C'est un bouvier bernois. La meilleure race. Il a son fils, il fait deux fois son poids. Il est plus gros. Il a une tête grosse comme un Rottweiler, son fils. Lui, il est petit, hein, petite taille, hein, tranquille. Hein. Celui-là, il tient dans un mouchoir de poche. Mais il faut une grande poche quand même. Il est trop mignon. Il marche derrière moi. C'est moi le protecteur. C'est lui le chien. C'est moi qui le protège. Il est trop fort. Et comme s'il marche derrière son troupeau. Il surveille aux alentours. C'est vraiment trop mignon tout ça. Ah là là, c'est le bonheur les chiens. Hein? Oh, il fait ses besoins. Ouh, faut mettre un carré rouge. Ouais, un rectangle blanc. Ah, il fait son popo. Est-ce que toi, tu as déjà fait ton popo aujourd'hui? Ah là 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 là, il fait ça devant nous. Dégueulasse. C'est pas gentil. Et pardonne-nous les odeurs. On va sortir mauvais, on s'en va. Allez, hop. Il est où? Aujourd'hui, tu fais le live, tu suis un chien. Tout à l'heure, c'était la percussion. C'était trop rigolo. Je ne sais pas très bien jouer la percussion, mais en tout cas, je t'ai fait quand même le live de 10 minutes. C'était trop marrant. Et là, maintenant, je sors mon chien. Là, tu vois tout, toi. Je te fais pas les lives quand je suis aux toilettes, parce que sinon tu vas devenir fou. Parce qu'à travers mon téléphone, il y en a les odeurs qui passent. Eh ben dis donc. Ah, le chien a la belle vie. Hein. Il se promène toute la journée. Il est trop fort, c'est son travail. Là, il découvre la forêt, ça fait longtemps qu'il n'est pas allé en forêt. Il doit se dire, oh, c'est la fête aujourd'hui, c'est mon cadeau d'anniversaire. Et là, Gila, il a 7 ans. C'est trop rigolo. Il est trop mignon. Regarde-moi ça. Quand t'as un bouvier bernois, ben c'est trop le bonheur de ta vie. Moi, je me fais que parler. Tu regardes pas là pour rien. Hein. Le live. Il y en a plein qui font des lives. Maintenant, on m'a dit, ouais. On m'a appelé, monsieur TikTok, il m'a appelé. Il m'a dit, ouais, faut que tu fasses des lives. Parce que sinon, c'est pas du jeu. Je dis, d'accord, je peux faire des lives de quoi? Si je me lave mes pieds, eh ben je fais un live de je me lave mes pieds. C'est pas la nudité. Voilà, je sors mon chien parce que je veux pas montrer mes pieds. Et je me suis dit, tiens, je cherche un acteur. J'ai posé une annonce. C'est lui qui en a postulé pour être l'acteur de mon live. Tranquille, il m'a dit, ouais, c'est mon live. Oh, il est trop rigolo en plus. Regarde-moi ça, il est trop mignon. Et ça plus par derrière. Est-ce qu'on peut lui faire confiance? On peut lui faire confiance ou on peut pas lui faire confiance? Qu'est-ce que t'as passé? Bon, s'il y en a qui veulent se faire des amis, ils peuvent le faire aujourd'hui dans mon live s'ils veulent. Il n'y en a pas de problème. Bon alors, vous allez lui demander un autographe? Il peut pas signer, il n'a pas de main. Il en a que des pattes. Oh là 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 là, c'est l'acteur du jour, hein. Bonjour. Oh, il y en a un autre chien. Il va se dire bonjour. T'inquiète pas, il est gentil. Ça y est, il a fini, il a dit bonjour. Il se fait suivre maintenant. Ouais, là, dis donc. Tu te fais draguer, toi.
Allez, on y va. On avance. Ouais, il s'est fait une copine, hein. Il a senti son odeur. Elle lui a senti son odeur. C'est comme ça, ils se disent bonjour, ils se serrent pas la patte, tu sais, ils ont pas de doigts. Ils ont pas de main. C'est trop malin. Il est où? Il est là. Il me suit toujours, là. Il n'a même pas besoin de laisse avec lui, il est trop obéissant. Ça, c'est trop fort. Je l'ai dressé en 2-3 mois, tranquille. Maintenant, il se sauve plus jamais. Avant, il se sauvait, il essayait. Il essayait, hein. Il ne s'est jamais vraiment sauvé, hein. Parce que moi, je ne lui laisse pas l'opportunité. Ah ouais, moi, j'aime pas les chiens qui se sauvent comme ça. Moi, ça me fâche. Et en plus, pour éduquer un chien, tu n'as pas besoin de le frapper du tout. C'est juste par la persévérance, les automatismes, et après, il t'écoute normal. Alors, est-ce que ça tourne, là? Hop. Il y en a qui rejoignent le live. C'est trop marrant. On regarde comment je sors mon chien. Ben, c'est trop bien, ça. Ah, vous êtes les bienvenus, hein. Vous pouvez venir à des milliers et partager le live si vous voulez, même s'il n'y en a rien d'intéressant dedans. Tu aimes les chiens, tu aimes les beaux chiens, tu reviens, tu viens, il n'y en a pas de problème. Tu es toujours le bienvenu, j'en ai de la batterie. Bon, tu dis bonjour, tu discutes avec des gens, si tu n'es pas tout seul dans le live, il n'y en a pas de problème. Les gens vont discuter avec toi tranquille. Le chien avec son téléphone. Il fait des lives sur les TikTok, c'est trop marrant. Bon, bah, tu es le bienvenu, moi je te dis bonjour. Là, on en croise du monde ici. Il y en a des mondes dans la forêt. Voilà, tu es où? Hop, je me mets sur le côté. Bonjour. Oh, il y en a les amis dans les lives, ça va mon pote? Ah, tranquille. Ah, c'est trop marrant. Il est trop beau le chien, hein? J'ai pas mes lunettes, je peux pas voir ce qui est marqué dans les commentaires. Et le chien il est toujours derrière moi, là je suis en train de marcher à reculons. C'est trop compliqué. Il devrait marcher devant moi, il marche derrière moi. Voilà, ça va, il est à ma droite. Et bientôt il va passer derrière moi. Il passe derrière moi. Il est trop fort. Il veut pas aller devant. Il sait c'est qui c'est le maître. Il est trop fort. Il passe toujours derrière. Je suis obligé de tourner l'appareil. Ouh. Ah ben voilà, tu viens sur l'autre côté. Allez, fais ta liberté. Va sentir les odeurs. Pourquoi tu me colles comme ça? Tu es libre. Il me colle. Il n'arrête pas de me coller. Va vivre ta vie, va sentir dans les fourrés. Fais tes affaires quand même. Tu es un chien, tu es un animal, il faut te promener. Il faut t'éloigner et revenir. Alors. Ah ben voilà, il a compris. Il a compris, il s'éloigne et après il va revenir. C'est trop fou comment ces chiens comprennent le français encore mieux qu'un français. C'est trop rigolo. Il va sentir des choses. Eh, tu manges rien? Bon. Allez. Il a compris qu'il doit revenir. Va le soumettre, c'est trop bien. Allez, allez, on avance. Allez. Il est toujours dans mon dos, c'est compliqué pour filmer. Bah, je me trouve un appareil qui s'attroche dans le dos avec le téléphone et qui filme à ma place. Sinon c'est trop compliqué. Je vais avoir mal au dos moi. Je te raconte pas.
Ah, c'est trop mignon que t'aies un chien, tu t'amuses bien. Là, ça faisait longtemps parce que j'ai pas le temps, trop le temps de le sortir. Là, j'ai un truc à faire. Je dois aller chez ma mère. Là, je vais traverser la forêt. Il y en a pour quelques kilomètres. Je vais traverser une ville. Je vais à pied. J'ai pas envie de prendre le train. Et puis, je crois que ma carte de train, elle est plus valable. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais à pied. Je traverse la campagne. Je profite du confinement. Quand tu es confiné, bah, il faut sortir. Quand tu n'es pas confiné, tu fais ce que tu veux. Mais quand tu es confiné, surtout, il faut sortir. Si tu ne sors pas, tu n'en vaux rien. On n'est pas des esclaves quand même. Il faut sortir. Hein? Parce que les politiciens, ils ont dit, tu sors toute la journée. 6h du matin, tu sors jusqu'à... Mais quand tu es dans la campagne, les gens sont très gentils, ils te croisent avec des grands sourires, ils disent bonjour, en envoyant des postillons. C'est trop rigolo. Là, lui, il est content, c'est l'acteur du jour. Là. Il est où? Il est derrière moi, là. Bah, vous le voyez? Oh, il est trop marrant. Hop, il passe devant, il passe derrière, il ne comprend pas qu'est-ce qu'il fait. On se promène avec le kleps, le bouvier bernois. Si tu regardes la race de ce chien, il y en a du Rottweiler dedans. C'est pour ça, au-dessus des yeux, il a les deux taches marron. Une tache au-dessus de chaque œil. Trop marron. Ça veut dire, si tu le croises avec un Rottweiler, ça va faire un Rottweiler avec des cheveux. C'est trop rigolo. D'ailleurs, son fils, il a des cheveux. Ils sont trop longs. Ça fait un Rottweiler avec des cheveux. C'est trop marrant. Il est gros, il a une grosse tête. On dirait... En plus, ces chiens-là, ils sont trop forts. Parce qu'ils discutent avec la tête. C'est pas comme les êtres humains, ils servent de leur tête. Hein. Non, non, eux, ils mettent des coups de tête. C'est des bouviers. Ça sert à travailler avec les bœufs. Pour ça, ils mettent des coups de tête. Ils font comme les bœufs. Ils sont trop forts. C'est des chiens bœufs. Oh là là, t'as un chien comme... à travailler avec les bœufs. Pour ça, ils mettent des coups de tête. Ils font comme les bœufs. Ils sont trop forts. C'est des chiens bœufs. Oh là là, t'as un chien comme... Allez, par ici, par ici. Il y a quelqu'un qui court là. Viens là. Hop. Bah, c'est comme ça la forêt. La forêt aussi, c'est pas mal la forêt. C'est trop beau la forêt. Celui qui s'ennuie, il vient prendre des photos en forêt tranquille. Il fait de la bonne photographie. Il prend un bon boîtier avec un bon objectif. Et s'amuse, il s'amuse. Oups, on filme pas les gens. On filme que les chiens. Si je croise des pompiers, ils vont m'enfermer. Camisole. C'est le défilé de mode. T'es trop beau, tu as mis ta plus belle robe. Noir et fauve, avec une petite touche de blanco. C'est trop marrant. Là, c'est vraiment les chiens très techniques. Elle est très, très technique. Je suis désolé, il y en a ma manche qui dépasse. À chaque fois, ça coupe l'image comme ça. Je vais essayer de remonter ma manche. On fait comment? Quand on travaille, il faut toujours remonter sa manche. Yo, le kleps. Il est là. Ça, c'est pas les chiens du bled. Hein. Les chiens du bled, ils sont très, encore plus athlétiques. Tu vas où, là? Tu fais ton coquin? Tu fais ton coquin? Tu vas aller dire bonjour à ton copain. Et
Este frate, vă dăr bujoară tot copa? Voulez discuter avec le copain, mais le copain il veut pas discuter avec toi. Mais ton maître il a dit tu parles pas avec lui. Alors tu parles pas avec lui. C'est pas moi qui ai décidé. Hein. Tu peux parler avec les gens, moi je m'en fiche. Hein. Les gens ils ont peur pour le chien. Bon, tu es où là? Qu'est-ce que c'est que ça? Demande de co-hébergement d'un accepté. Oh, j'ai pas eu le temps d'accepter. Tu peux refaire la demande? Je savais pas où est-ce qu'il fallait appuyer. Si tu veux te refaire ta demande, j'accepte. Je suis désolé, j'ai raté. J'ai pas mes lunettes, mais j'ai vu où est-ce qu'il fallait appuyer. Si tu refais ta demande, j'accepte, hein, y en a pas de problème. Hein. Bon, tu es parti, je crois. Bon, ben, il est parti, hein, c'est qui faisait sa demande, là. Juste au moment où j'ai appuyé sur le bouton, il est parti. Trop tard. Je suis vraiment désolé. J'ai pas fait exprès. Mais je voulais bien partager l'écran, mais il pourrait faire la demande s'il veut. Moi j'accepte, je savais pas où est-ce qu'il fallait appuyer sur le bouton, maintenant j'ai trouvé. Le chien il est bien, il est content, il se promène, tranquille. Là, il me suit, il va être fatigué, hein, je crois. Je crois qu'il va être fatigué. Bon, on va se mettre comme ça, sinon ça va filmer les gens et on n'est pas là pour filmer les gens. Ah bah, tu es content toi, hein? Toi c'est la promenade, hein? Il y a ton cadeau de la semaine. Tu vas avoir faim, tu vas avoir soif. Oups, bonjour. Il y en a plein de monde dans cette forêt là. Il y en a plein de bois coupés aussi, hein? Trop fort. Oh, je marche trop vite pour lui. Et c'est normal, je marche plus vite qu'un bœuf. Il n'a pas l'habitude. Toi, tu sais juste garder les bœufs. Hein? Toi, tu connais l'allure des bœufs. Hein? Hihi, c'est trop fort. Oh. Il y en a un qui me dit merci comme ça. C'est trop bien. C'est mon pote. Il me dit merci. Mon pote le Bami, il me dit merci. C'est trop bien, trop gentil. Allez. On marche à gauche là. Bonjour. Tu sais bien suivre, c'est bien. T'es un beau chien. Bravo, je te félicite. Hein. Ah, franchement. Maintenant, je t'ai dressé. Très obéissant. Franchement, ça mérite des cadeaux. Ça mérite beaucoup de cadeaux. Des saucisses, des trucs comme ça. Des saucisses, des os.
Bonjour. T'es un beau chien, allez. On y va. On découvre les forêts. Oups, si tu la connais déjà, c'est pas grave. Je sais pas si on t'a amené déjà jusqu'ici, mais moi je t'emmène. Hein. Là, tu vas aller loin aujourd'hui. Hein. On va aller sur la nationale, tout ça, on va marcher. Allez, hop. Oh. On va filmer à ras de terre. Comme ça, c'est cadré seulement sur le chien. À ras de terre, comme ça, on voit que le chien. On voit pas les gens. Bonjour. Mais c'est trop bien. Le chien est trop content. Il me suit comme si j'étais son père. C'est trop fort. Mais en plus, je lui donne le biberon. C'est trop bien. Bonjour. Bravo, tu es obéissant, c'est trop bien. Allez, suis-moi. Hop. Je vais faire le cadrage. Tu es vraiment un bon chien, je suis fier de toi. Wouh! Toujours féliciter son chien, c'est ça. Le secret. Quand tu fais un truc bien, tu lui fais une caresse. Quand il dit un truc bien, tu lui fais une caresse. Faut pas lui donner des friandises, ça sert à rien du tout. Faut juste être compassionnel. Oui, oui, faut faire des échanges affectifs, du regard, de la voix. Le chien comprend la voix, l'intonation, tout ça. Toutes les langues, il n'y en a pas de problème. Il nous considère comme c'est semblable les animaux. Parce qu'on est des animaux avant d'être des humains comme ça. Ben oui. Tu suis bien, c'est bien. Bravo. Continue à suivre comme ça, c'est très bien. Ah, je suis fier de toi. Allez, allez. On avance, c'est bien. C'est trop mignon. T'écoutes bien, c'est bien. T'es un vrai chien bien dressé. Je suis fier de toi. Oh là là! Qu'est-ce qu'il est bien dressé! Qu'est-ce qu'il est bien dressé! Il écoute, hein, il suit, oui! Oh, 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 c'est trop fort! T'es vraiment un très beau chien. Oh là là, je suis fier de toi. Oh, trop fier de toi. Oh, 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 oh. Tu me suis bien, bien, bien. Je vais être fatigué. Je vais être trop fatigué. Eh, franchement, là, tu vas te donner une rotule. Ah, les chiens fatigués comme ça. Ouh. Moi, je fatigue les chiens. Un jour, on m'a dit, comment tu t'appelles? Moi, je m'appelle, je fatigue les chiens. C'est mon surnom, je fatigue les chiens comme ça. Oh là là, je te jure. Hein. Tu vas fatiguer un chien, tu m'appelles. Je fais une sortie longue, 24 heures, pap, je te rends ton chien, il est cuit. T'es obligé de lui donner de l'eau pendant 3 jours. Et il y a ta copine qui te suit là. Allez, viens. Bonjour. Bonjour. Lilou. Ça va, Lilou? Dis donc, il y en a du monde dans cette forêt. Hein. Oh là 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 là. Il y en a trop du monde. C'est trop bien. Prop, prop, prop. Belle balade. C'est trop bien les balades. J'adore les balades. La, 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 la. On adore les balades. On adore les balades. La, 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 la. T'as vraiment les gens vous diront, oh, ce gars-là dans ce live, il est fou. Elle est trop fou. Et fais le fou comme ça. Non! Faut dire non, vraiment.
C'est galère, elle a pété les plombs même. Aïe, c'est pas grave. Aujourd'hui, le temps est quitte quand même. On va profiter, hein. Oh, profite le soleil comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, franchement, faut profiter. On a dit, tu sors jusqu'à 18h. Donc, tu sors toute la journée. Tu te lèves tôt pour sortir même. Oula! Faut pas me le dire deux fois. On m'a dit, tu sors. Je sors. C'est comment? Ah, il faut vraiment sortir. Hein. Ah, franchement, moi, comme tu sors gratuit. Je sors gratuit. C'est normal. Je peux pas faire autrement. Bon, tout le monde dit bonjour, c'est trop bien. Il y en a qui disent bonjour, bonjour. Il y en a qui disent bonjour, bonjour. Il y en a qui disent bonjour. Oh, il hoche la tête comme ça. Il dit rien, il dit bonjour. Et avec la tête comme ça. Il fait comme les bouviers bernois qui donnent des coups de tête. C'est trop rigolo. Oh là 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 là. Ah ouais, c'est ça. Hein. On est des animaux avant d'être des humains. Hein. Ben alors. Le langage qu'il a le chien, nous on avait pareil avant. Tu croyais qu'il y a des gens qui aboyaient? Il y a des gens qui aboyaient comme ça. Les gens qui aboient. Ici, dans la vie, moi j'en ai vu des gens qui aboient. Non, vraiment, les gens ils aboient comme ça. J'arrive pas à imiter vraiment parce que je suis pas assez animal comme ça. Je suis trop humain. J'arrive pas. C'est trop fort. Ah là là, mais les humains ils sont très animaux. Hein. Franchement, attends, des fois j'arrive à imiter. Des fois. Non, j'ai fait mal. J'arrive pas. C'est trop compliqué. Ça demande de faire des équations, des additions, des multiplications, des formules de mathématiques vraiment. Genre, c'est pas moi, des vecteurs même. Trop compliqué. Pythagore, Thalès, le papyrus de Pythagore, qui s'appelle autrement. C'est pas Pythagore, il a inventé. Pythagore, il a rien fait, il dormait. Ah, vraiment. Les vrais maths, là. Vraiment, si tu veux, tu veux voir les vrais maths, hein. C'est pas ici, en France, chez les primates. Non. Il faut aller chez les humains, même. Là, tu vas trouver les vrais maths. Namasté. C'est comment? Otep. Les mathématiques Otep, les vraies, les premières. Mathématiques primérales. Ah là 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 là. Vraiment les maths ancêtres. C'est pas les maths monkey, hein. Les vrais maths humains, là, vraiment. Très noirs, comme ça. Enfin bref, le chien, il court. Je l'ai laissé derrière. Maintenant, il me rattrape. Ah, c'est vraiment à Pedralène. Hein? À Pedralène. Hein? Tellement tu vas perdre la laine. Hein? Comment? Tu n'auras plus de laine. Le chien fatigué comme ça. Ça n'a même pas commencé. Tu es fatigué même. Ben alors, faut pas fatiguer, hein. On n'est pas arrivé. Reste encore des kilomètres, là. Tu vas mourir avant ou pas? Si tu meurs avant, je te tue, hein. Mais non, je vais jamais te tuer. Parce que t'es trop un chien intelligent. Je vais pas te tuer. Non. On tue pas les animaux ici. À part les poulets bicyclettes. Les poulets bicyclettes, on tue ça. On mange ça même. On prend les œufs. On fait éclore les œufs. On fait encore des poulets bicyclettes. C'est à l'infini même. Ça continue, ça s'arrête pas. Poulets bicyclettes. T'as intérêt à courir vite. Hein. Sinon, je te coupe la tête pour te manger même. Ah, je mange tout. Tiens, les ailes, les cuisses, tout. Sauf la tête. Hein. La tête est trop pointue, le bec comme ça là, il va te piquer. Tu vas pas te relever. Vraiment. Trop compliqué. On va manger poulet bicyclette là avec
avec sauce arachide. Ouh, sauce arachide même. Ouh, c'est trop bon. Avec du riz. Ouh. Du riz, poulet DG. Oh, directeur général. Ah, comme ça, là, le poulet bicyclette là, dans la cocotte minute. Hi. Moi, je défouraille ça. Hop. Ça y est, il a choisi de passer devant. Hein. Il va devenir chef de troupeau. Hey. Le chien là. Hey. Aujourd'hui, tu fais le show. Hein. Tu fais faire le show à ton maître. Hein. Il fait la voix off pour toi. Gratuit, t'as pas payé. Hein. Faut payer. Faut payer, va à la banque là. Va chercher l'argent. Amène l'argent pour moi là. Moi, hey, hey. Tu vas où? Va voir le guichetier. Hein. Là, je fais la voix off, tu payes pas comme ça. Il est où ton porte-monnaie? Ah, maintenant tu vas te cacher. Enfoiré. Mais non, mais hey, je l'insulte pas. Hein. C'est un gentil enfoiré. Oh là 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 là. Vraiment, ce chien est trop malin. Hein. Tu le vois, tu le vois pas. Il est où? On voit plus mon chien. Oh. Il faut que je te vois. Le chien va dire je pars tout seul. Là, je suis dans le jardin, je pars comme ça. Il m'aboie. Parce que je parle, mais je ne le regarde pas. Alors il m'aboie. Il dit, pourquoi tu parles pas avec moi? Il m'aboie comme s'il y avait quelqu'un avec moi. Il a comme s'il aboie une autre personne. Moi, je comprends pas. Pourquoi tu m'aboies comme ça? Tu es fou? Non, c'est parce que je suis en train de parler dans le téléphone. Là, j'ai le microphone là avec les écouteurs. Il voit l'écouteur, hein, il me voit parler, il dit je parle avec quelqu'un dans l'objet. Ah, il m'aboie dessus, il dit non, je suis jaloux moi. Là, je dis faut pas être jaloux, hein. Parce que je parle pas avec toi. Mais là, comme j'ai pas des écouteurs, il a compris que ben, peut-être je discute avec lui. Donc il est tranquille, il m'aboie pas. Bonjour. Ah vraiment, ce chien est vraiment très discipliné. Hein. Il est trop fort. Il est vraiment trop fort, très discipliné. Je ne sais même pas il y en a combien de personnes ici là. Une seule personne. Eh ben dis donc. Il y a des gens qui rejoignent, une personne qui a rejoint seulement. L'autre personne qui était là tout à l'heure est partie. Il n'y a plus qu'un. J'ai même pas mes lunettes. Et... La balade est longue même, hein. On va tout droit depuis tout à l'heure. Enfin, on fait des crochets quand même, là, on tourne, à chaque chemin, là, chaque cheminement, là, il y a un coude, on tourne, hein, alors, il est fatigué, hein, il veut se promener un peu, hein. Il veut aller sentir les choses, hein. Il en a marre de marcher comme ça. Et regarde s'il n'y a pas quelque chose là-bas, là. Mais il se dit, si je vais trop loin, je vais me faire assassiner, je reviens. Il est trop fort, il a peur comme ça. Ah, franchement, qui aurait dit qu'on regarde des émissions, il n'y a rien. Il y a juste un chien qui marche. C'est trop fort. Les émissions, c'est un chien qui marche seulement. C'est trop rigolo. Ah, là, on va arriver dans la ville. Après, je vais couper. Parce qu'on va croiser des gens, des voitures, des trucs comme ça. Faut pas filmer les plaques d'immatriculation, tout ça. Donc, après, dès qu'on sort là, on va arriver à un pont, je vais couper le téléphone. Oui, oui. Là, c'est dans 2 minutes comme ça. 2 minutes, on arrive au pont, je coupe le téléphone, je reprendrai plus tard. Hein. Ça va? Putain, tu fais des beaux sourires. Hein. Merci, bonjour. Bonjour. Allez, on va filmer Rat de Terre. Oh! Il passe derrière moi. Je ne le vois plus comme ça. Il est où? Hop. Il est où?
Hop. Je marche à reculons. Je marche à reculons. Bonjour. Je marche à reculons même. Hop. T'es où? Allez. Bon. Encore 200 mètres, hein, 300 mètres, je sais pas, 500 mètres. On arrive le pont là. Dès j'arrive le pont, je coupe le téléphone. Et je reviendrai plus tard si j'ai encore la batterie. Si on a encore la batterie, oui, je reviens là. Peut-être tu seras là encore. Hein. Dès tu vois la petite lumière avec mon nom, tu reviens. T'inquiète pas, j'ai pas encore coupé, je vais couper là tout à l'heure. Ah, moi, tu auras rigolé, hein. Des fois, c'est nuit à la maison, on a envie de rire, hein. On met le téléphone seulement maintenant, on rigole seulement. Il est toqué sur TikTok. Tu as toqué d'abord. TikTok s'est ouvert. Après, ça t'a rendu toc-toc. Ah là là, vraiment. On ne sait pas quoi faire de nos vies, on se perd comme ça dans le téléphone. On se perd dans TikTok là. On swig, on swap, on swap, on swap, on sweep, on sweep. On fait tout. On zap, on swap, on swing. Vraiment, il y en a, ils chantent. Hein. Il est où le chien là? Il s'est arrêté. Il n'a pas trouvé poulet bicyclette. Hein. Non, non, il aimerait bien hein, croquer un bon poulet comme ça là. Un bon PDG. Mais il n'y en a pas ici. Il n'y en a pas des poulets qui courent vite. Oups. Des poulets qui courent vite. C'est quel chien ça même? C'est Robocop? C'est Robodog? T'es pas fatigué, hein? Robodog. Hey, Robodog, tu vas où comme ça? Tu es en fer ou quoi? Un Robodog, il a trouvé de l'or, peut-être. Non, il voulait juste faire un petit pipi. Une petite pluie dorée. Ah, Robodog. Bonjour. Oh, Robodog. Et comment aujourd'hui, Robodog? Ça va bien? Tu fais des cheveux blancs, quoi? Tu fais des poils blancs? Hein, Robodog? T'es où? Oh, il est tellement silencieux, hein? Comme un renard. Comme un renard, comme un loup. Plutôt comme un loup, hein? Mais tu ne ressembles pas à un loup, toi? Tu ressembles à un chien? Il a peur. On est sous le pont, là. Il a peur. Regarde-moi ça. Il a peur. Oh, il comprend pas, il s'arrête. Qu'est-ce que c'est ces bruits, ça? Oh là là, c'est dangereux, hein? Où il a peur? Regarde-moi, il a peur. Il écoute. Oh, qu'est-ce que c'est qui passe sous ma tête comme ça? Le ciel va tomber. Ouh! Ah, c'est dangereux, hein? Vraiment, avance. On avance, là. Moi, je t'abandonne, hein, si tu... Hey, te laisse pas comme ça, hein? Bon. Les chiens qui ont peur comme ça, ils découvrent des choses. Tu sais, qu'est-ce que c'est, ça? Oh, je vais me faire écraser. Je vais me faire écraser par le toit. Bon, je vais couper là parce qu'on rentre dans la ville seulement. Alors, comme je veux pas filmer la ville, là, je vais couper. Tu dis au revoir. Hein? Regarde-moi.
El și ăla. Ia-i și la. Ți de orvoară. Ăla, ți de orvoară. E, ia-i și la. Ia-i și. Ți de orvoară. Ia, e, 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 e. Ia la. Ia la. Ia la. Ți de orvoară. E. Regarde-moi là. Tu dis au revoir. Voilà, c'est bien. Merci. Bah, je te dis à bientôt. Je vais couper. Je sais même pas quoi est-ce que c'est où qu'on coupe ça là. Hip. Comment on fait pour couper ça? Je sais pas mes lunettes. Attends, je vais mettre mes lunettes peut-être. Hein. Je vais mettre mes lunettes. Après, je vais couper ça. Comment on fait? Hop, les lunettes. J'arrive même pas à ouvrir, je tiens le téléphone comme ça. Voilà. Oh, les lunettes, tu vas pas tomber. Hein. On va pas casser les lunettes même. Maintenant, je vais en avoir des problèmes. Je pourrais plus travailler. On va mettre les lunettes. On va trouver comment il faut faire pour couper la vidéo. Oh, le chien. Viens là. Bon. Comment on coupe là? Viens ici là. Je sais même pas comment on coupe ça là. Il n'y a personne pour m'aider. Comment on coupe? Ah, c'est là, j'ai trouvé. Bah, je coupe. À bientôt, les enfants.